Les garçons, pour ce classico, il va falloir être très, 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 très vigilante. Le déplacement à Marseille. Ay, c'est ami, monsieur l'arbitre, c'est ami. Ay, testa di cazzo. Que passa, Marco? Io m'entraîne à la simulation, coach. Marco, écoute-moi bien. À Marseille, le plus dur, c'est pas le match, c'est l'avant-match. Il va falloir éviter beaucoup, beaucoup de pièges. Tout d'abord, à Marseille, il ne faut jamais parler aux inconnus. Jamais, jamais. On vous doit combien, pour favor? La bouteille, c'est pour moi. Vous ne devez que chi, messieurs. Et je vais même mettre le pourboire, comme. Je vous donne le double si vous perdez le match. Je le jure sur la vie de Jean-Claude Godin. Bah, c'est ce que je gagne en une journée. Enfin, moins 5 minutes, hein. À Marseille, il ne faut jamais s'arrêter au feu rouge. Jamais, jamais. S'en va là, tête de mufle, ou je t'emplâtre. Mais c'est pas moi, c'est pas ma machina. Il ne veut pas sortir, il ne veut pas. Mamma mia, comment je vais faire ça, ma machina? Il est toujours mal au gambas. Dès que si vous prenez le cabestro, je viens. J'ai même bien mis le braquet. À Marseille, il ne faut jamais croire les gens. Ce sont tous des mythomanes. Tous des mythos. Écoute-moi, Kim. Si tu signes chez nous avec mon OM Champions Project, dans 2 ans, tu es ballon d'or. Ah, monsieur Macourt, croyez-moi, je ne me laisserai pas éberluer par vos discours de bonimenteur. Mec, va falloir que je rappelle le gros Dédé Gignac. En définitive, le plus dangereux à Marseille, ça reste la cagole. Bonjour, les gonzes. Vous êtes d'arpin beau gosse, hein? Et dites-moi, il n'y a pas un qui veut faire frotti-frotta dans mon cabanon des goudes? Qu'est-ce qu'elle me veut, la cagalao? Elle ressemble à Di Maria. On a les plus belles femmes du monde à Paris. Allez, c'est ça, ouais, putain. Va te jeter dans le vieux port, va, Parigo. À Marseille, les plus inoffensifs, finalement, ça reste les joueurs.